أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مشيخ صار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on enchaîne inshallah après avoir vu ensemble la purification du cœur. Donc, on a vu plusieurs fois le cœur saint, d'accord. Donc, le thème, c'est la purification du cœur. On a vu qu'il y avait trois types de cœur: le cœur saint, le cœur malade et le cœur mort. Et avant de commencer ce chapitre sur le cœur, on avait parlé, n'oubliez pas, l'âme du croyant après sa mort. Le but de ce thème, c'était de vous donner un objectif, d'accord? Cette âme qui va être purifiée, subhanallah, où les anges vont se disputer le fait d'escorter cette âme, de lui ouvrir la porte et de l'emmener jusqu'au lotus, jusqu'à Dieu, pour qu'elle s'enregistre. Pour qu'elle s'enregistre parmi les âmes pures et purifiées, subhanallah, eh bien, on doit avoir cet objectif chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, à chaque action. On doit avoir le souvenir de purifier son âme pour mériter cette place élevée, ce haut degré auprès d'Allah. D'accord ? Alors, il y avait une question qui m'était parvenue après, où on peut se poser la question: est-ce qu'on doit formuler notre intention à chaque fois? Est-ce qu'on doit revoir notre intention pour chaque acte? On se dit, c'est pour Dieu, etc. En fait, oui. Grande intention, grande action, grande récompense. Petite intention, petite action, petite récompense. On avait vu ensemble que l'intention, il fallait la vérifier au début de l'acte, au milieu, pendant qu'on est en train de faire donc la bonne action, et ensuite à la fin. Et ça, c'est un travail de tous les jours. D'accord ? C'est, voilà, ma prière, aujourd'hui, je fais mon dhuhr pour qui ? Avant de commencer, je le fais pour qui ? Je le fais pour Allah. Dans la prière, par exemple, je peux être détournée par Shaitan. C'est son objectif. Je me recentre, je fais ma prière pour Allah. Et quand on se dit qu'on le fait pour Allah, eh ben, le khushu', la concentration, elle revient. Et à la fin, finalement, je l'ai faite pour qui? Est-ce que je l'ai faite parce que voilà, j'ai montré à tout le monde que je fais la prière? Vous voyez, l'important, c'est l'utilité de revoir son intention. La sadaqa, pareil. Quand je donne un conseil, quand j'aide quelqu'un, à chaque fois, je suis obligée, si j'aspire à une âme très élevée, je dois, si j'aime mon Seigneur, si je veux me rapprocher de plus en plus de lui, revoir mon intention. En venant ici, par exemple, je viens pour qui? Pour sa mère Jadid? Non, je viens pas pour elle. Je viens pour renforcer ma foi. Sa mère Jadid n'est qu'un moyen, comme un autre moyen, pour m'aider dans mon cheminement vers Allah, Azza wa Jal. D'accord? Je viens pour réaliser la fraternité, pour concrétiser cette fraternité. Je vous ai toujours dit, l'union fait la force. Je le fais pour Allah. Quand je viens ici, je le fais pour Allah uniquement. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il y a du travail qui nous attend. On a du pain sur la planche, hein, subhanallah. La foi, c'est tous les jours, c'est un renouvellement. C'est de grands efforts.
Petits efforts, petites récompenses, grands efforts, grandes récompenses. Et haut degré. D'accord? C'est aussi ça, subhanallah. Je vais brièvement faire un petit résumé au sujet de la sincérité, parce que ça c'est très important, subhanallah. C'est quelque chose qui nous accompagne par le fait de regarder, d'écouter, de sentir, de donner, de faire, d'accomplir. La sincérité, c'est quelque chose qui est là tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je me lève, je fais la prière pour qui ? Je vais travailler pour qui ? Je donne pour qui ? J'obéis à mes parents pour qui ? Est-ce que c'est vraiment pour mon ego ? Pour qu'on dise, oui, machallah, cet enfant, il est obéissant ? Ou est-ce que c'est vraiment pour Dieu ? Parce que si on ne fait pas les choses, le problème qui peut se poser pour Dieu, si on ne renouvelle pas cette intention, on ne la fortifie pas, la routine va s'installer. On va être usé. Oui, mais j'ai fait, oui, mais j'ai fait après tant d'années, c'est comme ça qu'elle me remercie, c'est comme ça qu'il me remercie, etc. Donc, c'est un grand effort, c'est un grand combat, mais qui en vaut la peine. Donc, toute pratique religieuse ou bonne action, sans sincérité, elle ne peut pas bénéficier de récompense et elle n'a aucune valeur. C'est ce qu'il faut se dire, hein, subhanallah. Il faut qu'il y ait de la sincérité dans l'acte. Sinon, ça n'a pas de valeur. On avait vu ensemble quelques vertus hein, de la bonne intention, c'est-à-dire de la sincérité dans l'acte, d'être préservé par les mauvaises pensées que Shaitan nous souhaite. D'accord ? Donc là, il n'a pas de pouvoir sur la personne qui fait les choses pour Allah. On avait vu la grande récompense du paradis. Et aussi le fait de purifier son cœur de toute rancœur, d'envie, de colère, de jalousie, etc. C'était important de faire les choses pour Allah, pour un petit peu vider nos sacs. D'accord ? Vider ce qui nous ronge à l'intérieur de notre cœur, vis-à-vis de notre passé, notre enfance, notre jeunesse, les gens qui nous entourent aujourd'hui. On avait vu quelques vertus, subhanallah, notamment par rapport au fait qu'Allah pouvait donner la victoire aux musulmans lorsque des gens humbles qui accomplissent, subhanallah, leurs prières, qui font leurs invocations et qui sont sincères dans tout ce qu'ils font. Les gens sincères, Allah, il les entend, il les écoute, il les voit, il les observe et il exauce leurs souhaits, subhanallah. Donc vous voyez que je peux être utile à cette communauté, même de là où je suis. Je ne peux pas peut-être voyager et aider mes frères et mes sœurs, mais je sais que de chez moi, je peux les aider aussi. Si mon cœur est sincère, Allah pourra exaucer mes invocations. Et par la suite, souvenez-vous, on avait vu certaines définitions sur la sincérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sincérité, c'est le fait d'oublier le regard des autres. Quand on dit le regard des autres, c'est aussi leur compliment à tout ce qui s'ensuit. Donc le regard des créatures pour être constamment dans le souvenir du regard qu'Allah porte sur moi. On avait vu, quand on avait préparé Ramadan, le fait d'observer Allah. Oublier, pour être sincère avec Dieu, oublier qu'on fait les choses pour les gens, parce qu'on n'a besoin que de l'attention de Dieu. On le fait parce qu'on veut l'agrément d'Allah. Il est important donc de se remettre en question au sujet de nos intentions et de se dire à chaque fois quelle était mon intention. Quelle va être mon intention? Quelle est mon intention réelle? Quelle l'était aussi, même après l'acte, pour toujours préserver ce cœur. Quelle était réellement? Parce que l'intention, elle peut changer. Hein. Au début, on fait pour Dieu. Et soudainement, ben voilà, Shaitan te dit, ah, tiens, regarde ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser de toi. Tiens, regarde quel intérêt tu peux gagner. Et Shaitan, il va essayer de détourner. Il va essayer d'affaiblir le musulman, le croyant. Il est important dans ces cas-là de revoir, même après avoir accompli une bonne action, de revoir son intention. Et c'est l'intention, comme je vous ai dit, qui rend l'acte important ou non. Soit l'acte, il est important,
et les anges vont l'inscrire. Souvenez-vous, subhanallah, dans la salat, lorsque le prophète, alayhi salat wa salam, un jour a dit, subhanallah wa biha, sami'allahu liman hamida. Et un des compagnons a répondu, Rabbana wa lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fikana yuhibbu rabbuna wa yarda. Il a ajouté, subhanallah, le prophète, alayhi salat wa salam, quand ils ont fini la prière, il s'est adressé à ses compagnons et leur a dit, 33 anges se disputaient lequel sera le premier à écrire cette parole. Ça, c'est juste une parole, hein, une formule, subhanallah. Elle était tellement belle, cette parole, elle était tellement noble, que les anges se sont disputés lequel va l'inscrire pour la personne, pour que ça lui soit bénéfique le jour du jugement. Vous voyez, il y a on verra, Inch'Allah, c'est un thème qui est au programme. Le monde des anges, c'est important de le connaître et de se dire, subhanallah, qu'on est toujours entouré des anges quand on accomplit notre prière, quand on est dans des moments de dhikr, de rappel comme cela. Les anges, ils sont de partout, d'accord ? Et c'est bien aussi d'en avoir de plus en plus à la maison. Et puis, subhanallah, l'exemple qu'on pourrait donner au sujet de l'intention, c'est l'exemple de la sadaqa. Je peux donner 10 euros li wajhillah, je le fais sincèrement. Ya Allah, je n'ai que 10 euros dans mon sac. L'occasion se présente pour donner, je les donne pour Dieu et discrètement. Et vous avez des personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, des personnes qui vont faire un chèque de 1000 euros, qui vont donner 1000 euros pour qu'on dise de, elle a donné, il a donné, il a de l'argent. 1000 euros, 10 000 euros, 4 000 euros, etc. Vous voyez, subhanallah, c'est petit comme sadaqa, mais au niveau de la récompense, ça va être énorme. Parce que l'intention, elle est sincère avec 10 euros, et elle n'est pas sincère avec 1000 plus ou un peu moins. Vous voyez, subhanallah, comment les choses peuvent être changées comme ça. C'est la même action, une sadaqa. Mais l'intention n'est pas la même et la récompense ne sera pas la même. Imaginez, subhanallah, vous arrivez devant Allah le jour du jugement et vous n'avez que très peu de récompense. En fait, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps, subhanallah. Allah, il jure par le temps, il dit wal asr, par le temps. Inna l'insana la fi khusr. Certes, l'être humain est perdant et il va à sa perte. Illa alladhina, sauf ceux qui accomplissent les bonnes actions, illa alladhina amanu, ceux qui portent la foi dans leur cœur, wa amilu salihat, et ils font les bonnes actions, mais salihat, les actions, elles sont sincères. Allah, il n'a pas dit wa amilu al-khayr, ils ont fait des bonnes œuvres. Wa amilu salihat, il y a de la sincérité dans leurs actions. Oui, subhanallah. Donc c'est important de purifier son cœur. On va y arriver, c'est pas parce que, voilà, on a tel âge, peut-être qu'on n'a pas beaucoup maintenant dans la balance. Alhamdoulilah, la vie, elle continue. Et on essaye de mettre l'intention sincère pour Dieu. Voilà, donc l'intention, elle doit être sincère pour Dieu, pour l'au-delà. Le but, l'objectif, c'est l'au-delà. Voilà pour la sincérité, le petit résumé. Donc, bien travailler sa sincérité à chaque acte, à chaque intention, à chaque parole, etc. Il est important, dans la purification du cœur, de voir l'autre type de cœur, c'est le cœur malade. On verra donc la semaine prochaine, Inch'Allah, le cœur mort. Mais le cœur malade, il faut savoir. Quand on connaît bien les symptômes d'une maladie, quand on connaît voilà, que telle maladie, elle existe, on est mieux vacciné, d'accord ? Et la maladie du cœur, quand on connaît bien cette maladie, et quand on sait que voilà, il y a des défauts, eh ben, on est plus armé à ne pas tomber dans ce type de cœur.
Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Baqarah, il dit « Fi qulubihim maradun, fazadahum Allah marada. » Il y a dans leur cœur une maladie et Allah a rendu encore plus malade leur cœur. Et la cause de la maladie du cœur, elle provient de deux choses. Lorsqu'on a le doute, d'accord, on va expliquer qu'est-ce que le doute. Et elle provient aussi de l'hypocrisie. Le doute, il pousse à la maladie de notre foi. Vous avez des personnes, subhanallah, qui vont douter sur Allah. Elles se disent musulmanes, ces personnes-là. Et elles vont douter sur l'existence de Dieu. Ça peut arriver, hein, subhanallah. Sur le prophète, alayhi salatu wasalam, sur le livre, l'existence des anges, l'existence du monde invisible, subhanallah. Et la personne, elle peut être perturbée dans son cheminement. C'est important de connaître, subhanallah, d'où vient cette maladie. Et vous savez, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a enseigné les six piliers de la foi. Les bases de la foi, c'est quoi? Al-Iman, la foi en Dieu, aux anges, aux livres, aux messagers, prophètes, messagers, au jour du jugement, et le destin, alors la suite, bon ou mauvais. C'est pas que le destin, c'est le destin bon ou mauvais. Vous voyez, subhanallah, on l'oublie, hein, la petite fin. Ce sont les six piliers de la foi. Et ce qui arrive chez certains, c'est que le doute commence à s'installer dans ces piliers. Oui, mais si Dieu avait écrit, pourquoi moi, quand je l'ai invoqué, il ne m'a pas... Vous voyez, on doute dans le destin. On est là pour se remettre en question, d'accord? On est là pour demander l'aide d'Allah à se réformer, subhanallah. Et certains vont prétendre être musulmans sans mettre en application les commandements d'Allah. Vous savez que souvent, pendant Ramadan, beaucoup de personnes qui se disent musulmans ou musulmanes, elles ne prient pas toute l'année. Ils vont arriver pendant Ramadan et ils vont se mettre à prier. Du Fajr jusqu'au Isha, Tarawih. Hein? On aurait dit que Dieu n'existe que pendant Ramadan. Ou ils vont faire sadaqa que pendant Ramadan. Tout au long de l'année, ils sont absents, ils se disent musulmans. Ils se disent, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si tu te dis musulman, c'est-à-dire je suis soumis à Allah, il faut être soumis à Allah le plus possible. Tu ne dois pas obéir à Dieu comme toi t'en as envie. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est vraiment obéir à Dieu comme Allah le veut. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith, l'hypocrite, parce que donc il y a la personne qui doute et la personne qui se dit musulman, et finalement qui, au niveau des actions, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'Allah dit dans Sourate Al-Asr, « Alladhina amanu, ceux qui portent la foi dans leur cœur », mais une fois que la foi a pénétré leur cœur, il faut le montrer. Il faut œuvrer. C'est une preuve comme quoi tu as la foi. Et quand tu ne montres pas, quand tu ne mets pas en application ce que Dieu t'a demandé, tu fais partie des hypocrites. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, l'hypocrite est comme la brebis entre deux troupeaux. Elle hésite et fait des va-et-vient entre les deux troupeaux. Un coup, elle va dans ce troupeau, un coup, elle change, elle va dans celui-là. En fait, elle n'est pas intègre. Elle n'est pas ferme dans sa foi. Ça l'arrange dans ce troupeau de manger un peu d'air par-ci, et puis un jour, ça la chante. Elle change de troupeau, elle va ailleurs. Vous voyez, subhanallah, c'est ça l'hypocrite. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, va donner d'autres signes aussi. C'est ainsi donc que le musulman est entre la foi et l'hypocrisie. Voilà, ils disent entre le kofr, la mécréance, et l'islam. Il est entre l'amour d'Allah, et
puis après, quand il y a une épreuve dans la communauté, eh ben, il va être avec peut-être les non-musulmans. Vous voyez ? Il n'est pas ferme dans ses principes, dans ses valeurs. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un ou condamner quelqu'un. C'est pas parce qu'il a fauté que je me range du côté de l'ennemi. On le voit, on a une époque où Allah nous éprouve, hein, subhanallah. Un frère qui est éprouvé en ce moment. Il est éprouvé. On n'a pas à le juger parce qu'on n'a rien vu, rien entendu. Et même, quand bien même il a agi ainsi, quand bien même, je dis bien, quand bien même, nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un. C'est entre lui et son Seigneur. Et ça, c'est avec tout le monde. Donc, un frère qui est touché, éprouvé, surtout médiatisé, on doit le soutenir. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit « Ansur akhaka zaliman aw mazlouman » Conseille ton frère qu'il soit en tort ou qu'il soit victime. Conseille-le et aussi accompagne-le. D'accord ? Donc, vous voyez, subhanallah, on ne peut pas être un jour avec apprécier, par exemple, quelqu'un et parce qu'on a entendu quelque chose, le détester. Le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, il se dit, il a fait ou il n'a pas fait, eh bien, je dois lui faire des doha. Je ne dois pas le juger ni le critiquer. C'est une épreuve, non pas seulement que pour ce frère, c'est une épreuve pour nous aussi, la communauté. On doit être unis. Et c'est ça le musulman, le croyant. Il ne peut pas juger, il ne peut pas critiquer, il n'a pas le droit. Allah, il a dit, je suis al-hakam, le juge. Le juge. Sous-entendu, il n'a aucun autre juge à part moi pour juger quelqu'un, subhanallah. Voilà, vous voyez, subhanallah, comment le prophète a défini un peu la personne hypocrite. Un coup, elle fait partie du rang des musulmans, des croyants, et un coup, elle va se ranger peut-être avec les non-musulmans. Un coup, elle va faire partie des musulmans qui vont adorer Dieu à fond, et le reste de l'année, ben, elle va oublier son Seigneur. Hein? On obéit à Allah comme on en a envie. On fait le minimum toujours, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Hud, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ. Allah, il s'adresse à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, il reste sur le droit chemin, comme Allah te l'a ordonné, ainsi que les gens qui se sont repentis avec toi, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Ce verset va provoquer des cheveux blancs chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et il va dire « Shayyabatni hudun wa akhawatuha »« Surat hud m'a donné des cheveux blancs. » Ce verset, subhanallah, il est à l'origine des cheveux blancs du prophète, alayhi salatu wassalam. Même nous, quand on écoute ce verset, « Fastaqim »« Reste sur le droit chemin comme Allah te l'a ordonné. » Et c'est pour ça, subhanallah, qu'on répète nuit et jour, ihdinas sirata mustaqim. Seigneur, guide-moi vers le droit chemin. Donc, la droiture, c'est vraiment la noblesse. Et celui qui est droit peut facilement parvenir à Allah Azza wa Jal et à se rapprocher de lui. Donc, rester sur le droit chemin. Ne pas dévier. Ne pas prendre un virage, subhanallah. Rester sur le droit chemin, le chemin qu'Allah a défini, pas le chemin que nous avons défini. Ihdina as-sirat, as-sirat, le chemin. Allah, il l'a défini. C'est un chemin précis. Les commandements de Dieu. Allah, lorsqu'il t'a ordonné de lui obéir, tu dois être là où il t'a demandé de lui obéir. Salat al-Fajr, tu dois te lever pour Salat al-Fajr. Tu dois faire partie des gens qui prient al-Fajr. C'est un ordre d'Allah. Et un cœur malade, subhanallah, c'est un cœur qui va être indifférent face à la lecture du Coran, face à l'écoute aussi du Coran, son cœur ne va pas être touché. Il est indifférent.
Il va commencer le Coran par le Fatiha jusqu'à Qul a'oudhu bi rabbin nas, dernier verset de Surat An-Nas. Et tout le long, son cœur n'a pas été touché par aucun verset par les, n'a fait frémir son cœur, subhanallah. Il va entendre aussi un hadith du prophète, alayhi salam, ça ne va pas le faire réagir. Ah ben tiens, ça concerne les autres. Moi, non. Et c'est comme ça, subhanallah. Il est important de revenir à la sira du prophète, alayhi salam, comprendre la vie, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de se dire, c'est arrivé aussi à l'époque. Le prophète, alayhi salam, a vécu ainsi. Nous aussi, on doit être soumis à Allah, on doit être comme ses nobles compagnons qui ont choisi de suivre le droit chemin. Donc, le cœur malade, c'est un cœur qui connaît à la fois la crainte de Dieu et la perversion. C'est quelqu'un qui à la fois obéit et à la fois désobéit. Et ça ne lui fait rien de désobéir. On peut tomber parfois dans le péché. Et on revient tout de suite. Mais on n'a pas le droit de tomber dans le péché et de se dire ce n'est rien. C'est qu'un petit péché. Ou, Inna Allah ghafurun rahim. Dieu est pardonneur, il est miséricordieux, il va me pardonner. Alors que non, il y a des règles dans, dans le repentir. On ne peut pas se dire, ah ben c'est bon, je ne referai plus, donc je me suis repenti. Non, ce n'est pas comme ça. En fait, il nous a donné des conseils concernant le repentir. Il y a des manières de se repentir. Et la preuve de notre repentir, c'est de ne plus revenir au péché. Alors qu'on a souvent tendance à minimiser le péché. On est dans une société actuelle où on minimise le péché. C'est fou, mais on est entouré de beaucoup de choses qui nous font minimiser les péchés. Et ça, ça devient très grave pour le cœur, parce qu'il peut tomber dans la maladie, voire dans la mort de ce cœur. Une mort spirituelle, hein, pas une mort cardiaque. C'est à la fois donc un cœur qui est entre la soumission et l'hypocrisie. Hein, la personne, elle est un jour, elle souffle le chaud et le froid, subhanallah. Un jour, elle est soumise à Dieu et un jour, elle l'est pas, ça ne lui fait absolument rien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne, enfin, il y a deux hadiths. Hein. Donc, il y en a un qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, et un autre par Abdullah ibn Umayr. Dans le premier, alors, les défauts du cœur malade de l'hypocrite, c'est lorsqu'il parle, lorsque le musulman parle, il ment. Il croit tromper les autres, mais il se trompe lui-même. Et il croit tromper Allah Azza wa Jal aussi. Donc un musulman qui n'est pas hypocrite ne ment pas quand il parle. Et vous avez, subhanallah, déjà, même dans la communauté musulmane, ce n'est pas parce qu'on se dit musulman qu'on n'a pas de défauts. Vous voyez les défauts du cœur ? Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas à sa promesse. Combien de fois on a promis, subhanallah, et on n'a pas tenu à notre promesse. Que Dieu nous pardonne. Parfois, on le fait volontairement, on n'a pas envie de... Voilà, on promet quelque chose, je te rendrai service, je t'appellerai. Et après, on n'appelle pas, on le fait volontairement. L'oubli, il est exempté, hein, il est épargné du châtiment de Dieu. Mais quand on oublie, quand on s'en souvient, on le fait. Mais subhanallah, vous avez des gens qui vont vous promettre, hein. Je promets de donner, je promets de faire, et à la fin, il n'y a rien du tout. Et il fait ça avec beaucoup de personnes. Lorsqu'il confie... Lorsqu'on lui confie une amène, il ne respecte pas cette amène à ce dépôt. Alors l'amène, ça peut être une parole. Un secret, je te confie un secret, tu n'as pas à le dévoiler. Ça peut être, je te confie ma fille, tu en prends soin quand on se marie. Vous voyez, c'est une amène aussi. Le mari doit en prendre soin. Il doit la nourrir, la vêtir, il doit lui offrir la sécurité. Quand je dis la sécurité, c'est-à-dire qu'elle se sente en paix chez elle, pas de violence physique, verbale,
pas d'harcèlement, pas de... Vous voyez tout ça? L'harcèlement psychologique, c'est une amène. Quand on se marie, on a pris une amène, qui est la femme. Et le prophète, dans un autre hadith, il nous dit « Celui qui a ses quatre défauts est un vrai hypocrite et celui qui a l'un de ses quatre défauts a un défaut de l'hypocrisie. » Mais il est touché malgré tout par l'hypocrisie. D'accord ? Il y en a quatre. Donc, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'on lui confie une amène, il trahit. Ça peut être même de l'argent, hein, un bien matériel, etc. Lorsqu'il promet, donc il ne tient pas à sa promesse, et la quatrième défaut, c'est lorsque il se dispute, il s'emporte. La colère. Et la colère, eh ben, elle a des conséquences. On peut dire tout et n'importe quoi dans la colère. Ok ? C'est le fait de s'emporter. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'énerver. Quand c'est démesuré, c'est pas bon. Parce que quand c'est démesuré, ben on peut blesser les autres. On peut se faire du tort aussi à nous-mêmes, hein, subhanallah. Mais vous voyez que ça fait partie des qualités de l'hypocrite, quand même. Il explose. Il y en a qui en viennent aux mains, qui en viennent aux armes. Et c'est une époque, subhanallah, là. Nous sommes dans une époque où... où le sang est répandu. Parce qu'on a été froissé, on a été contrarié, etc. Maintenant, on sort les armes, les couteaux, les armes blanches, les armes, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, on règle nos comptes comme ça. Vous voyez, subhanallah ? Un homme est allé voir Soufiane Thaouri pour lui dire « Cher Soufiane, j'ai été éprouvée par la maladie de mon cœur, la maladie de ma foi. As-tu un remède pour en guérir ?» Déjà, c'est bien de prendre conscience que notre cœur est malade, qu'on est entre les deux. On est entre le blanc, le noir, on n'arrive pas à se dire « je suis de, ou blanc ou noir, je suis entre les deux. » Écoutez bien ce grand conseil. Je te conseille les racines de la sincérité. Faire pour Allah. Les feuilles de la patience. Patienter face aux décrets de Dieu, face aux épreuves, face au comportement de l'autre, accepter l'autre comme il est. Le jus de la modestie. Vous savez, dans certains arbres, il y a un jus, hein, les palmiers. Je ne sais pas si vous connaissez, parfois on en extrait un jus. Ensuite, mets tous ces ingrédients dans le récipient de la crainte d'Allah. Et verse l'eau de la peur d'Allah. Et allume le feu de la tristesse d'avoir commis des péchés. Ensuite, filtre le tout par le fait qu'Allah t'observe. Puis bois ce mélange grâce à ta véracité, ta sincérité, par le verre de l'estirfar. Et savoure ce jus par le scrupule. Éloigne-toi des plaisirs qui te pousseraient à ta perte. Voilà le remède de ta guérison par la volonté d'Allah. Je répète. Magnifique, hein ? Je te conseille les racines de la sincérité. Il dit bien les racines. D'accord ? Donc dans tout, on a besoin de sincérité. Les feuilles de la patience, le jus de la modestie. La modestie envers tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les créatures d'Allah. Ensuite, mets tous ces ingrédients dans le récipient de la crainte d'Allah. Ton cœur doit vivre dans la crainte d'Allah. On avait expliqué que c'était que la crainte de Dieu. C'est être là où Allah il t'a ordonné d'être, donc dans les actions obligatoires, les actes, les pratiques religieuses obligatoires, et de ne pas être dans la désobéissance à Dieu. Et verse l'eau de la peur d'Allah. Ressentir, avoir ce sentiment. On n'a peur que de Dieu. Quand on a peur que d'Allah,
Bon, on ne peut pas faire du mal, être injuste avec les autres, subhanallah. Et allume le feu de la tristesse d'avoir commis des péchés. Donc ce feu, il va faire mijoter tous ces ingrédients dans ce récipient. Et être dans cette intention, dans ce travail, dans ce cheminement, de tout le temps être triste d'avoir commis des péchés. Parce qu'avoir commis des péchés, c'est quoi ? Avoir désobéi le miséricordieux. Avoir désobéi le Seigneur, Allah, maître de l'univers. Ensuite, filtre le tout par le fait qu'Allah t'observe. Donc on a besoin aussi de cet élément, vivre comme si Allah nous voyait. Et si on ne le voit pas, Allah nous voit. On vit avec Allah, tout ça c'est on vit avec Dieu, hein. Puis bois ce mélange grâce à ta véracité. Être parmi les véridiques, on dit la vérité. Que ce soit vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Allah. D'accord ? Toutes les créatures, on doit rester véridique, être parmi les véridiques. Donc, puis bois ce mélange grâce à ta véracité du verre de l'estirfar. D'accord ? Donc une fois qu'on a préparer ce jus, eh bien on va le mettre dans un verre qui s'appelle l'estirfar, c'est-à-dire demander régulièrement, constamment, pardon à Allah. Le fait de demander pardon à Allah nous réduit. On devient l'infiniment petit qui adore l'infiniment grand. Et savoure ce jus par le scrupule, c'est-à-dire être rigoureux, rigoureuse, je n'ai pas le droit de dépasser les limites. Être scrupuleux, faire les choses correctement. Éloigne-toi des plaisirs qui te pousseraient à ta perte. Toute chose qui nous éloigne de Dieu, on doit s'en éloigner. Si on n'y arrive pas, on demande à Allah de nous aider à nous en éloigner. Mais vous verrez, Inch'Allah, quand le verre va commencer à être très très pur, on ne pourra plus mettre quelque chose qui est impur. Votre portable, on va craindre Allah, on va se mettre, subhanallah, je ne peux pas regarder ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas envoyer tel message, je ne peux pas parler avec n'importe qui. La télé, pareil, autour de moi, les mauvaises pensées que je pourrais avoir vis-à-vis des gens. Tout ce que je vais faire, je vais le faire uniquement par amour pour Allah. Voilà le remède de ta guérison par la volonté d'Allah. Vous voyez, subhanallah, tous ces éléments font qu'on peut purifier notre cœur de cette maladie. Ibn al-Qayyim a dit, le cœur parviendra à la guérison lorsqu'il sera saint, de cinq choses. Je répète, Ibn al-Qayyim a dit, le cœur parviendra à la guérison lorsqu'il sera saint de cinq choses. La mécréance, qu'il soit saint de la mécréance face à l'unicité d'Allah. Pas de shirk. On avait expliqué qu'il y avait le shirk visible, que tout le monde voit, le fait par exemple d'associer quelque chose, quelqu'un à Dieu. Et il y avait aussi ce shirk caché. L'ostentation fait partie du shirk. Invisible, on va dire. Celui qu'on n'arrive pas à percevoir, qui est caché, dissimulé, et on ne s'en rend pas compte qu'on est en train de faire du shirk. Je vais faire telle action ou prier pour que les gens disent que Mashallah, elle prie longuement, elle récite super bien, elle combat. On avait vu les trois personnes, subhanallah, qui allaient entrer en premier en enfer. Une personne qui récite pour que les gens disent Mashallah, elle a une belle voix. Une personne qui donne sadaqa pour que les gens disent « Mashallah, elle est très généreuse. » Et la personne qui va au djihad pour qu'on dise « Mashallah, il combat. » On avait expliqué aussi que le djihad, c'était à la fois la guerre avec les armes, mais ça peut être aussi nos actions au niveau des associations. C'est aussi un combat, aider les autres. Donc, face à la mécréance, c'est pas que le fait d'être un kafir, c'est-à-dire chrétien, juif, athée, bouddhiste, c'est pas que ça. Hein. Même dans la communauté musulmane, on peut avoir des musulmans qui peuvent tomber dans la petite mécréance.
l'invocation, l'innovation, pardon, par rapport à la sunna. Innover. Si le prophète, alayhi salam, n'a pas apporté, il ne nous a pas donné des hadiths clairs, ok, on n'a pas à innover. À faire de zèle aussi. C'est un problème dans la communauté. Parfois, il n'y a aucun hadith et les gens vont dire « Oui, mais ça ne fait pas partie de la sunna du prophète, alayhi salam. » Parfois, le prophète, alayhi salam, n'a pas expliqué, n'a pas défini. Hein? On avait dit, par exemple, les anniversaires. Le prophète, alayhi salam, n'a pas interdit aussi. Il n'y a aucun élément qui interdise les anniversaires. Aucun verset, aucun hadith authentique au sujet des anniversaires. On ne peut pas mettre ça sur le compte de l'islam. C'est interdit en islam. D'accord ? La femme musulmane peut lire le Coran et ça va en donner des conditions quand elle est indisposée. On ne doit pas dire, on ne doit pas mettre ça sur le compte de l'islam. Elle n'a pas le droit de lire ou le toucher. Il n'y a aucun hadith là-dessus. De rentrer à la mosquée, il n'y a aucun hadith là-dessus. Innover est interdit. Donc il faut purifier son cœur et suivre la sunna, la tradition prophétique. Et se soumettre au commandement d'Allah, c'est-à-dire à ses versets. L'insouciance face au dhikr, se purifier de l'insouciance, d'accord ? En faisant du dhikr, se souvenir d'Allah. La prière est un moyen de se souvenir d'Allah. Le fait de porter le hijab, donner un conseil, faire sadaqa, aller à la mosquée, lire le Coran, faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. L'istighfar fait partie aussi du dhikr. Tout ce qui me fait rappeler mon Seigneur, eh bien, je dois entretenir mon cœur vis-à-vis de ce noble comportement. Les passions vis-à-vis des ordres d'Allah. Je ne dois pas faire passer mes passions. Je dois me purifier de mes passions pour n'obéir qu'à Dieu. Je ne peux pas me prétendre musulman, musulmane, si je regarde par exemple des émissions interdites. Et en même temps, voilà, après je vais tarder à prier parce que voilà, il y a des choses qui passent avant. Et subhanallah, si je suis musulman, musulmane et j'aspire à obéir à Dieu, je ne peux pas en même temps le désobéir. D'accord ? Je vous dis, on est vraiment à une époque où on est très tenté vis-à-vis du portable, de la télé, ce que les gens vont vous dire, leur façon de s'habiller, de manger, de consommer. C'est vraiment une grande épreuve. N'oubliez pas ce qu'a dit le prophète, salam, au compagnon. Viendra une époque de troubles. Il les a appelés les jours de patience. Les jours de la patience. Et il a expliqué à ses compagnons, subhanallah, que les personnes qui vivront à cette époque, leurs adorations seront récompensées selon la récompense de 50 hommes. Les compagnons ont répondu, 50 hommes de leur époque ou de notre époque? Le prophète a dit de notre époque, c'est-à-dire l'époque du prophète a dit des compagnons. La vraie foi, la vraie spiritualité, la vraie proximité avec Allah. On est dans une période où on est très très éprouvé, subhanallah. Mais n'oubliez pas, la récompense elle est multipliée par 50. Ça donne envie. Oui. Voilà, ensuite le prophète Ibn al-Qayyim dit l'amour du bas monde face à la sincérité. On ne peut pas mélanger dans son cœur l'amour du bas monde et se dire je fais les choses pour Dieu. Est-ce que je peux regarder quelque chose dans mon portable, à la télé, dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu m'a demandé de dire, de faire et dire que je suis sincère avec Allah. L'amour du bas monde, tous les délices, tous les plaisirs de ce bas monde. Tout ce qui m'entraîne à aller, qui me pousse à aller en enfer. Est-ce que ça peut être compatible dans mon cœur avec la sincérité? C'est comme si vous mettez l'eau et l'huile. L'eau, elle reste en haut et l'huile, elle reste en haut et l'eau, voilà. Ça ne se mélange pas. C'est impossible, subhanallah. Et le cœur, lorsqu'il est touché par ces deux maladies, il peut aller à sa perte. On verra, Inch'Allah, le cœur mort la semaine prochaine. Et la grande maladie du cœur, c'est l'ostentation et l'orgueil. Deux maladies, deux fléaux, deux grands virus
pour le cœur, subhanallah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait l'ostentation. Alors l'ostentation, c'est de faire quelque chose pour que les gens disent, hein, c'est se montrer devant les gens, faire et attirer le regard des autres. C'est pour ça qu'on avait dit dans la sincérité, il ne faut privilégier que le regard d'Allah. L'ostentation se soigne par un verset de l'Fatiha, Iyyaka na'budu. Seul toi, nous adorons. Et dans ce verset, subhanallah, ce qui est magnifique, c'est qu'Allah a placé Iyyaka, seul toi, avant le verbe. Allah aurait pu dire, nous n'adorons que toi. Nous adorons seulement toi. Non, il a mis en avant Allah, Iyyaka, seulement toi. C'est pour insister, pour montrer, subhanallah, la valeur, l'importance de n'adorer que Dieu. Iyyaka, personne d'autre, ya Allah, que toi, nous adorons. Iyyaka na'budu. Donc ça veut dire quand je vais accomplir quelque chose, faire quelque chose, je ne le fais uniquement que pour Allah. Ça, c'est pour l'ostentation. Il y a une autre grande maladie, c'est l'orgueil. C'est se croire supérieur aux autres. Quand je dis les autres, c'est toutes les créatures de Dieu. Toujours se croire supérieur aux autres. Et là, Ibn Taymiyyah dit l'orgueil se soigne par Iyyaka nasta'in. Seulement auprès de toi, ya Allah, nous demandons de l'aide. Quand on médite ce verset, on se dit, ben, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit d'appeler quelqu'un et de dire voilà ce qui m'est arrivé. Parce que si je demande l'aide d'Allah, l'aide, ça veut dire qu'Allah aide. Iyyaka nasta'in. Donc ya Allah, je t'adore sans associé. L'associé, c'est une créature, une autre divinité. Et c'est ça, subhanallah, la sincérité. C'est que vouer son culte uniquement à Dieu, et non pas pour se montrer devant les autres. Et on adore Allah Azza wa Jal par nos paroles, nos actes et aussi notre intention. C'est important de mettre l'intention qu'on le fait uniquement pour Dieu. Donc je reviens à cette question qui m'a été posée la semaine dernière. Est-ce qu'à chaque action qu'on accomplit, eh ben on doit se dire je fais pour Dieu? Oui. D'accord ? Le fait de se marier, c'est pour Dieu. Le fait de vivre en couple, voilà, c'est pour Dieu. D'avoir des enfants, c'est pour Dieu. Il faut que nos actions sur terre soient liées à l'au-delà. Au monde invisible qui est Allah, Azza wa Jalla. Le monde invisible, avant tout, c'est Allah. Donc faire pour satisfaire notre Seigneur, pour avoir cette reconnaissance de Dieu et de ce... Parce que subhanallah, quand on y met cet ingrédient, faire les choses pour Allah Azza wa Jal, eh bien, toutes nos actions sont bénies à chaque fois qu'on le fait vraiment pour Dieu. Et le musulman peut aller à sa perte lorsque il perd son objectif, lorsque son intention, elle devient corrompue par quelque chose. Un élément de quelqu'un ou quelque chose sur terre, subhanallah. Donc vous voyez, c'est un grand travail, c'est un combat, purifier son cœur, subhanallah, c'est beaucoup d'efforts. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa » Pourtant, que leur a-t-on ordonné, si ce n'est de vouer un culte exclusivement Allah. Regardez, comment Allah il nous explique comment l'adorer. Pourtant, que leur a-t-on ordonné? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'Allah m'a ordonné de faire? Si ce n'est de vouer mon culte, c'est-à-dire le culte, c'est mes pratiques religieuses, toutes mes pratiques religieuses, mon existence sur terre, ma vie, ma mort, tout ce que j'accomplis uniquement pour Dieu.
Et subhanallah, ce culte-là, il est exempté de tout shirk, de toute forme d'association. Je ne peux pas mélanger Allah Azzawajal et les êtres humains ou une autre divinité, c'est impossible. Et il y a l'ibada, qui est l'adoration dans l'islam. Certains savants lui ont donné une définition. L'ibada, c'est l'humilité. L'adoration signifie humilité. Et on ne peut pas se prétendre vivre l'humiliation vis-à-vis d'Allah si je fais les choses pour quelqu'un d'autre ou pour qu'on dise que... Ensuite, subhanallah, ce qu'il faut savoir, c'est que si Allah nous purifie donc de l'ostentation et de l'orgueil, eh bien, le musulman sera entièrement guéri. Alors, ça ne vient pas du jour au lendemain, comme ça, quand on a un cœur malade. C'est un travail, des efforts, un combat. Et c'est pour ça, subhanallah, que dans la Fatiha, on dit « Ihdina sirata mustaqim ». Seigneur, guide-moi vers le droit chemin. Vous voyez, c'est le droit chemin, ça n'est pas que faire ses prières, c'est purifier son cœur. Aspirer à un cœur sain qui n'est pas malade, qui n'est pas mort. Ce pont, ce sirat, il doit m'emmener vers Allah. Et je ne peux pas, en plein chemin, corrompre ce cœur, le détourner de la sincérité que je peux avoir envers Dieu, et de se dire, ce cœur qui doit m'emmener auprès d'Allah, il ne doit pas tomber malade. C'est impossible. Je ne peux pas adorer mon Seigneur avec un cœur malade. Un cœur qui éprouve de l'ostentation, de l'orgueil, alors que seul à Allah appartient l'orgueil. Al-Mutakabbir, un nom divin. Al-Mutakabbir, c'est Allah. Celui qui est plein d'orgueil, c'est Allah. Pas la créature. Et subhanallah, il y avait un cheikh qui donnait l'exemple, cheikh Mohamed Chanpreti, il donnait l'exemple de l'avion. Il dit, quand vous êtes dans un aéroport, quand vous voyez les avions, vous les voyez immenses. Vous avez déjà observé des avions comme ça à travers les vitres. Et il dit, subhanallah, cet avion que vous voyez immense, les Boeing, les Airbus, et j'en passe, hein. Ils disent, subhanallah, plus il va monter au ciel, et plus il devient petit. Et l'image, elle se réduit. Et le musulman, le cœur du musulman, le musulman, il doit être comme ça. C'est-à-dire, plus il s'élève auprès d'Allah, plus il évolue, et plus il sent qu'il est petit. L'humilité. Le khushu' à la crainte d'Allah, il se fait encore tout petit vis-à-vis d'Allah. C'était vraiment une belle image du musulman, du croyant. Sur terre, on le voit comme il est, mais plus il s'élève et plus il est emporté par la modestie, l'humilité, la crainte et tout ce que Soufiane Thaouri avait conseillé, subhanallah, la modestie, le fait de demander pardon à nos péchés, pour nos péchés, d'éprouver de la tristesse, etc. Donc vous voyez qu'il est important, quand on est dans la prière, quand on récite Al-Fatiha, quand on dit « Ihdina sirat al-mustaqim, ya Allah », on pense à ce cœur, ya Allah, purifie mon cœur. Hein? Purifie-le et ne fais pas de moi des gens, ne fais pas de moi quelqu'un qui fait partie des gens dont la colère s'abat sur eux. Si mon cœur est malade, voilà, mon cœur est mort, c'est sûr que la colère d'Allah, elle est là, elle est présente. Et ne fais pas de moi aussi quelqu'un d'égaré. Quelqu'un envers qui tu es en colère et quelqu'un d'égaré, subhanallah. Vous voyez, c'est quelqu'un envers qui Allah est en colère, ce n'est pas que les juifs et les chrétiens. Ce n'est pas, subhanallah, les gens qui... Ça peut être aussi les hypocrites et les musulmans un jour... demain, on dirait qu'il n'est même pas musulman. Vous voyez? C'est aussi ça, Surat al-Fatiha, c'est demander à Allah de préserver notre cœur. Et comme vous pouvez le constater, la Fatiha, c'est aussi un remède spirituel pour nos cœurs.
à condition, bien sûr, d'en être convaincu qu'Allah peut guérir mon cœur. Si je choisis de ne pas purifier mon cœur, de ne pas faire des efforts, ça peut s'impacter sur mes actions. Hein? À la fin, j'arrive le jour du jugement, je n'ai quasi pas de bonne action de hasana, subhanallah. Parce que tout est parti, tout s'est envolé, tout a été brûlé par peut-être la jalousie, l'envie, la colère, la rancœur, le fait de désespérer en Dieu, le fait de remettre en question le destin. On est content pour le bon destin, mais on n'est pas content pour le mauvais destin. Il faut savoir accepter. Je vous avais dit que le fait d'accepter ce qu'Allah a voulu pour nous, d'accepter notre passé, notre présent, et d'accepter aussi ce qui va arriver, subhanallah, ça fait partie de la douceur du cœur. Douceur ne rime pas avec douleur. On ne peut pas mettre ça dans un cœur, douceur et douleur. C'est soit on a la crainte d'Allah, soit on est hanté par notre passé, par nos épreuves, ce dont on a été touché. D'accord ? On ne peut pas avoir les deux. C'est vrai qu'il y a un travail à faire pour parvenir à la douceur, à l'apaisement de cette âme qui n'est pas en conflit avec le passé et le présent. On ne doit pas être en conflit avec nous-mêmes. Si vous voulez qu'Allah fasse descendre sakine, la sérénité dans votre cœur, il faut savoir aussi accepter. Quelle a été la sagesse qu'Allah a voulu m'enseigner à ça à travers cette épreuve ? Et d'accepter, subhanallah. Déjà, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, on remercie Allah qu'il est notre Seigneur. Et qu'il est comme il est et que ça ne soit pas un autre Seigneur. Et du moment qu'on accepte Allah comme étant ce Seigneur, avec ses 99 noms, avec le fait qu'il soit Rahman Rahim, grand de miséricorde, eh bien on ne peut pas après revenir en arrière, subhanallah. On accepte ce qu'Allah a destiné pour nous. Vous vous souvenez un petit peu des Bani Israël l'année dernière ? Les Bani Israël, ils avaient ce cœur malade. Allah venait de les sauver de Pharaon. Le grand miracle qui s'est produit, c'était quoi ? La mer fendue en deux. Ils ont marché, subhanallah, sur une terre sèche. Elle n'était pas humide. C'était pas de la boue. Alors que l'eau venait de... Voilà, il y avait de l'eau juste avant. Allah a fendu la mer en deux. Ils sont arrivés de l'autre côté. Et peu de temps après, ils se sont mis à adorer le veau. Shirk, billah. Et pourtant, subhanallah, Allah venait de les sauver. Il venait d'assister à un miracle avec Moussa, alayhi salatu wassalam. Vous voyez comment on doit préserver ce cœur, subhanallah, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on doit faire attention à notre cœur. Ja'far al-Sadiq a tiré un jour des leçons d'un verset où Allah dit « Wa ufawwidu amri ila Allah » et je laisse mon sort entre les mains d'Allah. Mon affaire, mon sort, comme vous voulez, entre les mains d'Allah. Et il dit, je suis étonné de quelqu'un qui a peur et ne revient pas au verset où Allah dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seul Allah me suffit. Il est le meilleur des protecteurs. Parce qu'Allah, juste après, il dit, وَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Dans surat Ali Imran, Allah dit dans verset 174, « Et comblés des bienfaits du Seigneur et de sa grâce, ils reviennent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal. Ils ne recherchaient en fait que l'agrément du Seigneur dont la grâce n'a point de limite. » Vous voyez, quand on est touché par une quelconque peur, dire hasbunallah wa ni'mal wakil, de s'en remettre tout de suite à Allah, de confier la chose entre les mains de Dieu. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit, et comblé des bienfaits du Seigneur et de sa grâce. Et il l'ajoute, puisqu'il donne quatre conseils. Je suis étonné de celui qui a été touché par le mal.
ou la ruse de quelqu'un et ne revient pas au verset où Allah dit wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Quant à moi, je remets mon sort à Allah car Allah a une parfaite connaissance de ses créatures. Et il dit juste après, Allah ajoute fawaqahu Allah sayyi'atu ma makaru, et Dieu l'a préservé du mal qu'il lui avait réservé. Donc Allah, il donne, il se sert d'un verset et après il argumente avec le verset qui suit, subhanallah, juste après. Donc quelqu'un qui a une peur, hasbunallah wa ni'mal wakeel, quelqu'un qui est touché par le mal de la ruse de quelqu'un, de dire je mets mon sort entre les mains d'Allah. Oui, le fait de revenir, ça purifie le cœur pour préserver le cœur de la maladie. Il ajoute, je suis étonné de celui qui aspire à l'amour de ce bas monde et ne revient pas au verset Ma sha Allah la quwwata illa billah. C'est un verset qu'on lit dans Sourate Al-Kahf, le verset 39. Sourate la caverne, telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en Dieu. Subhanallah, quand on observe la création, la nature, ce qui est autour de nous, la nuit par exemple, la nuit, le jour, la pluie, le vent, le soleil, les oiseaux, les papillons, etc. Subhanallah, masha'Allah, le fait de se dire telle est la volonté d'Allah. Même dans le fait de méditer, on doit aussi y voir la touche d'Allah dans tout ce qui nous entoure. On est différentes créatures ici, subhanallah, mais on ne se ressemble pas. Et pourtant, on a tous un nez, des yeux, une bouche, des oreilles, des cheveux. Mais on ne se ressemble pas. Allah est le puissant. Et c'est par sa volonté qu'on est ainsi. Alors que Dieu dit dans Sourate Al-Kahf, et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel, qui le réduise en un terrain stérile, ou que l'eau tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. Donc tout ce qu'on a comme bien. Et parfois, subhanallah, on est attaché à ces biens. On n'est pas propriétaire de ces biens. Tout ce qu'on obtient, c'est par la volonté d'Allah et sa puissance. Et dans Sourate Al-Kahf, Allah nous remet en question. Souvenez-vous de ce grand propriétaire de plusieurs hectares, de vignobles. Et il pensait que c'était grâce à lui qu'il avait pu obtenir toute cette richesse. Et subhanallah, son voisin, il lui a dit, telle est la volonté d'Allah, ça ne vient pas de toi, il n'y a de puissance que Dieu. Et il ajoute, et si tu vois que je suis moins pourvu que toi, en bien et en enfant, parfois on voit que les autres ont plus que nous. Et ça, ça peut perturber notre cœur. On peut rentrer dans la maladie, le doute, pourquoi Allah il a donné à lui, pourquoi moi. D'accord ? Il faut faire attention. Et il va faire le rappel à son voisin en lui disant, tu sais, Allah, il est capable. En une nuit, ton jardin, il disparaît. Ta propriété, elle disparaît. Ou qu'Allah, te prive d'eau et que tu ne puisses même plus arroser cette eau. Donc, il est important de se dire, ce qu'on obtient, c'est par la grâce d'Allah et aussi, surtout, remercier Allah de ce qu'on a. Mais ça n'est pas grâce à nous, ou grâce à notre patron, ou grâce au voisin qui nous a donné, ou à nos parents, etc. Et ça nous inculque quoi? La confiance en Dieu. Avoir constamment confiance en Allah. Tout remettre entre les mains de Dieu. Qu'on soit dans la peur, qu'un mal nous touche. Tout de suite revenir à Allah pour ne pas tomber dans la maladie du cœur. Et il ajoute, quatrième conseil, je suis étonné de celui qui a la poitrine serrée et ne revient pas au verset d'Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Il n'a point de Dieu que toi,
Que ton nom soit exalté. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Oui, subhanallah. Et il ajoute, j'ai entendu Allah dire, le verset d'après, nous l'avons exaucé et délivré de ses angoisses, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc vous voyez, ce lien avec Dieu, il faut le fortifier, il faut que il soit ancré. Vous avez jamais observé les bateaux quand ils sont sur la mer et qu'ils flottent, subhanallah, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes qui flottent sur l'eau, alors que nous, par exemple, si on ne sait pas nager, on va couler. Même si on est fatigué, on a nagé. Si on est fatigué, on peut couler. Ce bateau, ce navire, ce paquebot, tout ce que vous voulez, il peut flotter, subhanallah, sur l'eau. Grâce à un ancrage que le commandant va lâcher. L'ancrage, vous voyez ce que c'est, l'ancre là, du bateau, ouais. Il va la faire descendre. C'est comme ça qu'on stabilise le bateau, subhanallah. Dans cette ancre, c'est comme dans Sourate An-Nour, l'huile qui alimente l'arbre, l'astre. L'astre, c'est le cœur qui vit dans les cieux. Et l'arbre, subhanallah, l'huile trouve sa source dans cet arbre béni. Et l'arbre, c'est le corps du croyant. Le corps du croyant doit être toujours, son cœur, il doit être toujours dans l'au-delà, dans les cieux. Il vit avec les anges, il vit avec son Seigneur. Et il est en totale adoration, il accepte tout, subhanallah. C'est comme ça que doit être le croyant. Il doit faire confiance en Dieu, dans la peur, quand un mal le touche, quand il est éprouvé par rapport au bien de ce bas monde, et aussi par rapport aux angoisses qu'on peut éprouver, subhanallah. Parfois on peut ne pas être bien, et bien revenir à Allah. Il se peut que j'ai commis un péché aussi, ce qui m'a laissé comme ça. Même quand je me sens pas bien, tout de suite je fais du dhikr. Parce qu'Allah le dit, « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Un cœur apaisé n'est pas un cœur malade. C'est un cœur qui n'a que été touché par la grâce d'Allah pour qu'on puisse nous se rapprocher de Dieu. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه